Aujourd'hui les amis, nous allons faire évoluer plusieurs fois ce petit chiot tout mignon en un monstre chien légendaire. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Désolé mon petit chiot. Et salut tout le monde, c'est Reptil, votre savant fou préféré pour une nouvelle vidéo dans laquelle... Nous allons prendre des petits chiots afin de les faire évoluer dans des monstres. Waouh, il est complètement fou celui-là. Mais oui les amis, c'est exactement ce qu'on va faire dans mon laboratoire. Mais tout d'abord, il faut étudier les petits chiots afin évidemment de les faire évoluer. Donc pour cela, on a pas mal de brins d'ADN comme ça que nous allons mettre juste là. Afin de récupérer, qu'est-ce que c'est, des caisses? Qui vont aller dans le broyeur? C'est un broyeur? Allez hop, ça va là-dessus. Là, je suis pas sûr de ce qui va se passer là. Oh, regardez, ça sort par là. C'est les petits échantillons comme ça qui nous permettent de gagner un petit peu d'argent. Grâce à ça, on va pouvoir découvrir de nouvelles espèces à faire évoluer. Donc dans ces cas-là, on va continuer à travailler dans le labo et juste après, on partira pour une nouvelle aventure. Mais attendez, j'ai moyen d'améliorer ça. D'abord, faut que j'aille chercher l'argent. Alors, je sais pas ce que ça va permettre, mais sûrement, on va avoir de nouvelles évolutions possibles. J'en sais rien, on va aller voir ça. C'est parti donc pour aller faire un petit run, les amis. Let's go. Donc nous sommes passés de savant fou à chiot, pas très intelligent je suppose. Du moins beaucoup moins que le savant fou. Alors hop, on va manger un petit peu de viande, c'est parti. Est-ce que je peux manger la plus grosse viande ou pas? Ah non, je suis pas assez gros malheureusement, il faut que je passe en un petit chien comme ça qui est magnifique. Et cette fois-ci il peut les manger et pouvoir, pourquoi pas évoluer en l'évolution suivante qui sera... Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, je vous avoue que après toutes ces années d'expérience dans mon labo, je ne pensais pas réussir à amener un chiot à ça. Un chien à trois têtes, si on peut appeler ça un chien. Bref, en tout cas, c'est parti, on va pouvoir aller se battre les amis, mais surtout récolter un maximum de brins d'ADN qui vont nous permettre d'étudier de nouvelles choses. Et c'est parti, qu'est-ce que c'est que ça qui est en face? C'est un rat? Ah non, c'est un chat démon. Oh, il m'a frappé ce grand fou là. Il faut cliquer le plus rapidement possible pour l'expulser et gagner un maximum d'argent. Let's go. Oh, ça m'a rapporté pas mal de tubes les amis. Voilà, je mets tout dans mon dos si possible. Ah ouais, j'ai pu tout mettre d'un coup. On va tout mettre ici les amis, on va pouvoir découvrir pourquoi pas des araignées qu'on va pouvoir faire évoluer après. Mais attendez, est-ce que je vais avoir assez? Il me faut 22 de thunes. Là j'ai que 5 malheureusement. Et c'est pas possible, je trouve que ça n'avance pas assez vite dans mon laboratoire. Écoute ça en fou, si t'es pas content, t'as qu'à générer un peu plus d'argent qu'on puisse avancer plus vite. Bon allez, du coup j'ai 10 billets qu'on va pouvoir mettre donc directement dans l'araignée. Malheureusement je n'aurai pas assez d'argent, donc on repart pour un nouveau run histoire de faire un maximum de thunes. Donc pour cela il faut améliorer ce petit chien qui devient beaucoup plus gros et afin de devenir un Cerberus. Les amis, c'est n'importe quoi. What? Par contre, qui c'est qui me lance des trucs de fou là comme ça? Attention! Wow, je l'ai pris dans les pattes. Aïe, 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 j'ai tout pris dans la tête, mais c'est pas grave. J'arrive quand même avec quasiment un maximum de force. Ça va pas m'empêcher de le taper le plus fort possible. Boum! Ah, les chiens et les chats, ça a toujours été compliqué. Bon, bah, si avec toutes ces cellules, les amis, je n'ai pas assez pour avoir l'araignée, je ne comprends pas, mais en tout cas, on va pouvoir normalement la déverrouiller. Il me faut 12 billets maintenant. Alors, hop, distribue là-dedans, mets tout dans le broyeur. Et va chercher l'argent, petit noob. Oui, chef, j'y vais tout de suite. J'y vais. Donc ça y est, j'ai les 12 billets, les amis, qui vont me permettre, du coup, d'avoir la petite araignée magnifique. Oh, ça a carrément changé mon petit chiot. Mais what? Maintenant, on va vraiment avoir l'araignée à faire évoluer dans les runs et tout. Mais c'est n'importe quoi. Bon, bah, allons tester ça tout de suite. De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour débloquer quoi que ce soit d'autre dans mon laboratoire. Et là, maintenant... on a toujours de la viande et on a surtout une araignée mignonne, un cute spider. Alors mignonne, je sais pas trop. Pour moi qui n'aime pas trop les araignées, je dois vous avouer que... ouais, ça va, elle est plutôt mignonne. J'ai vu pire. Non, elle est vraiment affreuse. Bon, allez, go, de la faire évoluer le plus rapidement possible. Elle est incroyable. La tarantula. Non, tu peux pas manger ça, c'est trop petit pour toi. C'est trop gros pour toi, t'es trop petite pour ça. Et là, c'est bon, on a la dernière évolution de l'araignée. Elle est incroyable, on va la mettre. Puissance maximum, les amis, là. On peut y aller. Par contre, ils ont ajouté des pièges, donc il va falloir faire gaffe. Oh, ça va, le run n'est pas très long. Oh, attention. Wow, je l'ai pris dans la tête, c'est pas grave, ça va le faire. Et what, c'est qui, lui? Lui aussi, il est sorti de mon labo ou quoi? C'est quoi, ça? Boum. Terminé pour toi, petit noob. Bon, record non battu, malheureusement, pour l'instant. J'avais perdu un peu de puissance sur la route. Donc, allez, on va collecter tout ça. Et on a un petit peu de billets. On va pouvoir augmenter peut-être ce truc-là à 49$. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Peut-être que ça produit plus vite, j'en sais rien. Allez hop, on récupère tout ça, on a 13, hein, c'est pas assez. Bon, je vais laisser toute mon usine travailler parce qu'en fait, elle arrive à travailler toute seule, il faut juste amener ça là. Et après, quand je reviens, tous les billets sont là, je crois. Donc autant repartir, faire un nouveau run, les amis, et gagner encore plus de recherche scientifique. Par contre, les... oh, j'aurais pu y aller comme ça. Ah mais oui, je peux juste mettre la puissance max tant qu'on y est, tac, voilà. Et les pièges deviennent de plus en plus fous. Regardez, il y a de quoi nettoyer la voiture, mais on n'ira pas, tac, attention à ça. Oh là, le marteau. Attention, c'est bon, ça passe. Donc là, j'ai puissance maximum, donc normalement, on devrait pouvoir battre notre record, les amis, sur ce géant de lave qui va aller jusqu'au x2,6. Ah, je sais pas si on avait pas fait plus tout à l'heure. Bon, en tout cas... oh,
tout ce qu'on vient d'avoir. Ah, mais ça a pas généré beaucoup de billets, en fait. C'est pas possible, ça peut pas avancer plus vite, ça. Bon, en tout cas, nous sommes à 30 billets, les amis. Il va m'en manquer plus que 19 pour terminer ça. Je sais pas ce que ça va permettre de faire. Peut-être débloquer un nouvel ADN, j'en sais rien. En fait, je suis un scientifique, mais je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire là. Et moi, je vous suis, chef, je vous suis. Donc, normalement, j'ai les 12 billets requis. Ah non, il va m'en manquer plus que 2. Les amis, on va débloquer ça et en plus, et après, on débloquera une nouvelle espèce. Je sais pas ce que c'est la prochaine espèce, mais elle coûte très cher. Elle coûte 75$. Et dans ce jeu, l'argent, c'est assez rare. Hein. Allez, on va améliorer ça. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Nouvelle branche. Oh, c'est un nouveau boss, je pense. Parce que ça a changé le portail. J'ai l'impression que ça y a eu un truc. Donc, allons voir si c'est un nouveau boss. Mais en tout cas, il va falloir s'y préparer comme d'habitude. Manger un maximum de viande. Hop, 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 voilà, on est maxé quasiment. C'est bon, on est prêt, on peut y aller. Prépare-toi, petit boss, parce que je vais t'allumer, mon pote. Oh non, c'est le même boss. Oh, mais le run a été super rapide là pour le coup. Bon, allez, c'est bon pour nous de cliquer le plus vite possible. Il faut battre notre record. Yeah, bam. Allez, fois 2,7, s'il te plaît. 7, 7, 7, 7. Non. Pour l'instant, j'ai pas assez de puissance en fait. Il va falloir changer de mob. Wow, en tout cas, il va falloir 125 billets pour améliorer ce truc là. Bon, très bien. On va s'occuper plutôt du nouveau pet, les amis, qui va me permettre d'avoir un nouvel animal de compagnie. Donc, allez, je mets 18$ ici. Il va manquer 57. Oh. Wow, c'est cher. Bon, ça fait beaucoup de petites capsules comme ça, les amis, de briques, etc. Mais voilà, le broyeur, il fait pas les choses bien. Hein. Il est tellement lent. Attendez, j'accumule les briques au-dessus, mais bientôt, il y aura plus de place, quoi. Bon, il me manque plus que 16 billets pour débloquer ce qui semble être, les amis, je sais pas trop ce que c'est. Un oiseau? Je sais pas. En tout cas, ça m'a l'air très puissant. Bon alors, ça travaille ici? Allez, plus que 8 billets, dépêchez-vous. Ma patience a des limites. Comment t'as pas demandé ton avis à toi? Oh non, le retour des boules tueuses. Oh ben voilà, ça y est, je commence le run, je m'en prends une. C'est pas grave. Je l'ai repris une autre. Ah, c'est bon, j'en ai pris que deux. Tout va bien. C'est toi qui lance ça là? C'est toi qui lance ça, mon pote? Ah! Calme-toi maintenant, le gars! Allez, encore un billet, les amis, et c'est bon. On a assez pour débloquer une nouvelle espèce. J'ai failli partir dans le runner et on peut y aller. C'est parti. C'est un poussin piou, trop stylé. Allez, on va voir ce que tu veux, mon pote. Oh, plutôt végétarien, ça va pas t'empêcher d'évoluer, je suppose. Oh, stylé, pas mal. Allez, maintenant tu peux manger directement le maïs comme ça et l'évolution. Wow, c'est un roux cool. Et franchement, il est très stylé. Après, dans Pokémon, c'est pas très stylé, mais là, c'est pas mal. Donc là, à mon avis, les amis, on va pouvoir battre notre record de x2,6. Je suppose que le nouveau boss est juste ouf. C'est un squelette volant, on est full puissance les amis, c'est le moment pour nous de le défoncer. Bam, et de battre notre corps, le x3. Non. Mais pourquoi on peut pas faire plus? C'est quoi ce délire? Et ça y est, j'ai enfin les 125$ les amis. Après pas mal de temps de farm, on va pouvoir donc directement mettre ça ici et découvrir qu'est-ce que c'est. Attention, un nouveau laboratoire. Rien du tout. C'est juste qu'à mon avis, c'est juste un peu plus rapide. Et du coup, on a plus rien à améliorer. Il aurait fallu qu'ils mettent plus d'espèces à découvrir. Donc ouais, ça y est les amis, on a terminé notre laboratoire. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas. Gros pouce bleu, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.